achat immobilier est une étape très importante dans notre vie. Il y a plusieurs étapes à ne pas rater. La première chose à faire avant d'acheter est de connaître sa capacité d'achat. Quel budget puis-je avoir pour acheter tel ou tel bien ? Le budget déterminé, alors vous pouvez partir à la recherche de votre bien. Le bien trouvé, vous devrez faire une offre d'achat au vendeur. L'accord du vendeur obtenu devra être régularisé, un avant-contrat, une promesse de vente ou un compromis. L'avant-contrat signé, compromis ou promesse de vente, vous devrez vous rendre auprès d'un établissement financier à l'effet d'obtenir le financement qui vous permettra d'acheter votre bien. L'accord de prêt obtenu, votre établissement financier, votre banque, vous adressera une offre de prêt. L'offre reçue, vous disposerez alors d'un délai pendant lequel vous ne pourrez pas accepter immédiatement l'offre et c'est uniquement à l'issue de ce délai que vous pourrez signer l'offre et renvoyer l'offre de prêt à la banque, ce qui permettra d'obtenir les fonds nécessaires à votre achat. L'offre de prêt renvoyée et acceptée, la banque sera en mesure d'adresser les fonds à votre notaire afin que la vente définitive puisse être régularisée et les clés remises. Traditionnellement, entre la signature d'un avant-contrat, promesse ou compromis, et la signature définitive avec la remise des clés, il faut compter un délai de 3 mois en moyenne.